Elle s'appelle Flora Vautier. Voilà, elle est née à Villepinte. Elle est toute jeune, elle a à peine 20 ans, hein, elle est née en 2004. Elle est paraplégie. Voilà. Donc, club de Nîmes. Donc, oui, donc elle est née, donc Villepinte, c'est la région parisienne, mais elle réside dans la région Occitanie et elle est du côté de Nîmes. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle a comme palmarès? Donc, médaillée de bronze en double mixte sur fauteuil aux Jeux paralympiques. Avant ça, avant de faire les Paralympiques, elle a gagné une médaille de bronze en championnat d'Europe double dame. Et en 2022, elle a gagné donc encore une médaille de bronze au championnat du monde à Grenade. Voilà, championnat d'Europe, c'était à Sheffield en Angleterre, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc voilà, voilà quelques petites réponses à un petit questionnaire. Elle est plutôt joyeuse, généreuse et ambitieuse. Voilà, donc c'est une paraplégique incomplète, son handicap. Donc bien sûr, elle fait ce sport de tennis de table handisport, car c'est un sport très compétitif avec de la stratégie, évidemment. Donc l'objectif qu'elle avait, c'était de gagner une médaille d'or aux Jeux paralympiques. Elle s'entraîne au tennis de table une vingtaine d'heures par semaine. Voilà. Son modèle de sportif qui l'inspire, c'est Michael Jeremias. Voilà. Elle aurait bien pu dire Jean-Philippe Gatien, évidemment, pour le côté le même sport. Alors que là, Michael Jeremias, c'est pas le même sport. Voilà. Donc, malgré tout, elle danse, malgré sa paraplégie. Elle aime danser. Voilà. Son job de ses rêves, c'est de travailler dans la communication. Et elle aimerait bien essayer de faire du basket. Mais normalement, ça serait, voilà, pour son handicap, du basket fauteuil. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, donc sa devise, c'est ne jamais abandonner. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Voilà. Paraplégique. Alors bien sûr, on devient paraplégique à la suite, par exemple, d'un accident de voiture. Voilà. Elle s'est reconstruite grâce au sport. Voilà. Donc bien sûr, elle a quand même gravi quand même pas mal de paliers, hein, évidemment, médaillée au championnat de France. Un an seulement après avoir découvert le tennis de table handisport. Elle sait qu'elle a encore beaucoup à apprendre, mais quand même déjà. Voilà. Déjà les Jeux paralympiques à Paris avec donc une médaille de bronze en double mixte. Deuxième personnalité, en numéro 2, Hugo Didier. Alors maintenant on passe du côté aquatique, le côté aquatique handisport avec la natation. Né le 11 septembre 2001. Donc, joyeux anniversaire avec quelques jours de retard. Lui, son handicap, c'est un handicap au niveau des membres inférieurs. On va pas rentrer dans les détails de la catégorie. Dans la même région Occitanie que la tennis de table. Mais lui, c'est la natation. Voilà. Pour les Paralympiques, eh oui, il a gagné une médaille d'or. Elle a gagné une médaille d'or aux 400 mètres nage libre. Médaille d'argent aux 100 mètres d'eau masculin. Et une médaille d'argent aux 200 mètres quatre nages. Voilà, avant ça, il avait gagné au niveau européen une médaille d'or aux 200 mètres quatre nages, une médaille d'or aux 400 mètres nage libre, une médaille d'or aux 100 mètres d'eau, médaille d'argent aux 100 mètres nage libre, médaillé d'argent. Au relais 4 x 100 mètres nage libre, c'était en 2024, c'était en début d'année au championnat d'Europe. Et l'année dernière à Manchester pour les championnats du monde
de natation paralympique, médaille d'argent aux 100 mètres d'eau, médaillé d'argent aux 4 x 100 mètres nage libre, médaillé d'argent aux 100 mètres nage libre, médaillé d'argent aux 200 mètres 4 nages individuels, médaillé de bronze aux 50 mètres nage libre, médaillé d'argent aux 4 x 100 mètres nage libre. 2 ans avant, il avait déjà gagné encore une fois au championnat du monde handisport. Médaille d'argent aux 100 mètres d'eau. Médaille d'argent aux 400 mètres nage libre. Médaille d'argent aux 100 mètres nage libre. Médaille d'argent 200 mètres 4 nages individuels. Et au JO de Tokyo, il y a 4 ans, 3 ans, à cause du Covid, médaille d'argent aux 400 mètres nage libre, médaille de bronze aux 200 mètres 4 nages. Après, on ne va pas remonter en 2021 avec encore des médailles en Europe. Champion d'Europe, médaille d'argent, médaille d'or, 1400 mètres nage libre. Voilà, champion d'Europe en 2021 en 400 mètres nage libre. En 2019, vice-champion du monde en 100 mètres d'eau. En 2018, médaille d'or à Dublin. En 2018, aux 100 mètres d'eau. Médaille d'argent aux 200 mètres 4 nages. Et en 2017, à Mexico. Au championnat du monde, champion du monde 2017 du 100 mètres d'eau, quatrième au 200 mètres 4 nages et au 400 mètres nage libre. Voilà. Alors lui, en 3 mots, c'est il est fédérateur, organisé et persévérant. Alors lui, il est très bavard. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les infos, toutes ces fameuses petites fiches présentation. Ça doit être sur le site Handisport. Alors le site Handisport de l'équipe de France. Voilà, vous tapez voilà, bleuhandisport.com. Voilà. Bleuhandisport.com pour voir évidemment toutes ces fiches de présentation. Mais c'est pas encore fini, j'ai encore la petite Heidi Gauguin. Enfin, pas petite, enfin si, il a quand même 20 ans. Heidi Gauguin, on parle maintenant de cyclisme, de vélo. Vélo handisport. Étudiante en BUT GEA, gestion entreprise administration. Voilà. Donc c'est voilà, bosseuse. Son handicap, c'est une agnésie du bras. Vous trouverez sur internet ce que ça veut dire. Agnésie du bras. Donc elle est donc de la région Nouvelle-Aquitaine. Elle a pas eu de médaille d'or. Enfin si, elle est quand même championne du monde sur piste, championne du monde en 2024 à Rio, aux 3 km, aux poursuites sur 3 km. Voilà. Alors que pour les Paralympiques à Paris, elle a juste gagné que la médaille d'argent en poursuite sur 3 km. Médaille d'argent au contre-la-montre. Et une médaille d'argent en course en ligne. Sur route. Voilà. Elle a été également l'année dernière championne d'Europe du contre-la-montre et championne d'Europe de course en ligne à Rotterdam en 2023. En 2023, championne du monde en poursuite. Voilà, médaille d'argent en course en ligne. Médaille de bronze en contre-la-montre. 2022, médaille d'argent en poursuite individuelle. Médaille de bronze en omnium. C'était en 2022, c'était à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'était sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. En 2021, quatrième au contre-la-montre et sixième en course en ligne au Portugal en 2021. Elle est déterminée, débrouillarde et organisée. Elle est née, voilà pour expliquer, elle est née sans avoir d'avant-bras à gauche. Je suis née sans avant-bras gauche. Voilà, son papa, donc président d'un club de vélo, l'a initiée à son sport en 2016 pour
Moi, en commençant par les valides, puis en handisport depuis 2019. Évidemment, son objectif, c'est de battre son record personnel avant tout et d'être bien sûr premier sur un podium mondial. Et elle passe entre 12 et 20 heures d'entraînement par semaine. Évidemment, son modèle sportif, c'est Annemiek van Vleuten, évidemment, la Hollandaise, valide au cyclisme pour la saison extraordinaire sur route et pour bien sûr la victoire au JO du contre-la-montre. Elle aime lire, faire le shopping et la marche. Voilà. Son job de ses rêves, c'est de faire du vélo tout le temps. Objectif, c'est bien sûr de gagner une médaille, donc elle en a gagné plein. Et la discipline qu'elle aimerait essayer, c'est le paratriathlon, évidemment, nager, pédaler et courir. Voilà pour Heidi Gauguin. Et normalement, c'est ma petite dernière de la liste. On va finir par une Paloise. Tiens, une Paloise à Pau. Elle est née en 99, étudiante en psychomotricité. Elle a un handicap au niveau des membres supérieurs. Elle s'entraîne du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et elle s'appelle Emmeline Pierre. Emmeline Pierre, je parle évidemment, on finit par la natation. Médaille d'or aux 100 mètres nage libre et médaille de bronze aux 100 mètres d'eau. En 2024, bien sûr, aux Jeux paralympiques. Médaille d'argent en 2024 aux Championnats d'Europe. Médaille d'argent 4 fois 100 mètres nage libre. Médaille d'argent aux 100 mètres nage libre. Médaille de bronze aux 50 mètres nage libre. À Manchester en 2023, médaille de bronze aux 50 mètres nage libre. Médaille d'argent au relais 4 fois 100 mètres nage libre. Au championnat du monde en 2022, 6e au 100 mètres d'eau, 7e au 100 mètres nage libre, 9e au 50 mètres nage libre. À Tokyo, 8e au 100 mètres d'eau, 10e au 100 mètres nage libre, 11e au 50 mètres nage libre. En 2021, médaille de bronze au 50 mètres nage libre. En 2018, 4e au 100 mètres d'eau. Et 8e aux 50 mètres nage libre. En 2017, médaillé de bronze aux 100 mètres d'eau. 5e aux 50 mètres nage libre. 5e aux 200 mètres nage libre. 6e aux 100 mètres nage libre. Paralympique, bien sûr, handisport. Elle est bienveillante, forte et joueuse. Alors elle n'a pas eu de bol. Elle n'a pas eu de bol parce qu'en fait son handicap est dû à une erreur chirurgicale. Ah oui. Avec le coude. Une luxation du coude et fracture au cubitus. Tout ça parce qu'elle faisait de la gymnastique. Voilà. Elle a toujours aimé être dans l'eau depuis petite. Évidemment, c'est voilà, son objectif, c'était d'atteindre la finale du 100 mètres d'eau. Évidemment, ça prend une grande place dans sa vie quotidienne, le sport. Ça occupe quasiment 6-8 heures. 6 à 8 heures par jour. Bien sûr, avec une hygiène de vie qui va avec. Le job qu'elle aimerait faire, c'est être psychomotricienne. Et elle aimerait essayer le triathlon. Voilà, elle a eu une petite distinction, hein, un petit bonus. En 2017, elle a été élue espoir de l'année par la ville de Pau, bien sûr, chez elle.